Avec Laetitia, on a commencé à travailler ensemble parce qu'on s'est rencontrés par hasard. Nous étions voisines de palier et il se trouvait qu'elle écrivait des textes et que moi je dessinais. Et donc ça a été une rencontre un petit peu au hasard. Et en fait, il se trouve que nos collaborations, dès le départ, ont été très fructueuses parce qu'on en est à notre troisième album ensemble. On a fait également un album numérique et qu'on travaille très très bien ensemble. On est très très complémentaires. Mais c'est vraiment une rencontre complètement par hasard. On aurait pu habiter complètement à des endroits très différents. Nos enfants fréquentaient la même école. Voilà. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Le livre, le projet, il est né d'une idée de Laetitia. Qui a pensé elle-même cette forme de cabane avant tout. Je dirais même que l'histoire a découlé de cette idée première, de l'idée de créer un livre cabane. Parce qu'elle avait remarqué que ses enfants, et les enfants en général, aimaient s'entourer des livres accordéon. Et c'est comme ça qu'elle en est venue à concevoir tout ce trajet, l'idée du cabane, maison, et le trajet pour arriver à la maison. Et c'est vraiment comme ça que le projet a démarré. Vraiment l'idée. Dès le départ, d'avoir un objet qui ait plusieurs fonctions de par la forme qu'il prenait de toute façon, le fait de pouvoir le mettre à la verticale. Donc du coup, c'était très important qu'il puisse tenir debout, qu'il soit assez solide, mais pas trop non plus trop rigide pour ne pas faire un objet trop lourd, il faut que ça reste un livre. Et effectivement, c'était tout à fait ça. Alors le Cherchez-Trouve, il est arrivé vraiment à la fin. Mais en remarquant que moi j'avais mis beaucoup de petits détails, des petits animaux, des petits objets, plein de petites choses, et bon, ça s'est surajouté à ça. Mais de toute façon, il le contenait déjà en lui-même de par la conception et de par tout ce que j'avais mis dedans. Ça c'est difficile à dire parce que je saurais pas dire, je connais pas tout ce qui existe. Je me mets à ma place enfant, pas à leur place, à la mienne. Je me souviens de ce que j'aimais. C'est pour ça que j'ai continué à dessiner toute ma vie et que je fais des livres pour enfants. C'est que je me souviens de l'enfant que j'étais et de ce que j'aimais. Et moi, j'aurais vraiment adoré pouvoir me mettre dedans, au milieu, m'allonger. J'ai vu des enfants maintenant, depuis que cet objet existe, j'ai vu des enfants se mettre dedans et vraiment passer du temps allongé dans toutes les positions, amener les doudous, amener des voitures, des petits soldats, amener des bonhommes. Pour vraiment, ils se l'approprient comme si c'était soit leur maison ou la maison même de leurs jouets. Et ça marche très bien. C'était pour ça qu'il n'y avait aucun personnage dans la partie maison. C'était une volonté pour que ça soit complètement, on puisse se l'approprier complètement. Une journée type, je travaille chez moi, donc je n'ai pas de trajet. Je suis vraiment, mon bureau est chez moi. Je suis dans ma bulle toute la journée et je ne fais que dessiner toute la journée. Je ne fais que ça. Donc c'est mon métier à temps plein et j'adore ça. C'est vraiment, j'aurais pas souhaité autre chose. C'est vrai que j'ai pas de collègues de bureau, je croise peu de monde dans la journée. Enfin, j'ai une vie de famille, donc ça remplit déjà pas mal. Mais non, je travaille à la maison, que ce soit au dessin, à l'ordinateur, à la colorisation ou à la peinture, je fais toutes les techniques, toute la journée. Alors je serai Héloïse, parce que Héloïse, ce sont des vieux albums, il y en a plusieurs, il y a Héloïse à New York, à Paris, et c'est des livres que j'ai beaucoup lus. Moi je ne les ai pas lus enfant, je ne les connaissais pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on avait beaucoup de livres à la maison, mais je les ai beaucoup lus à mes enfants, et je la trouve tellement libre, tellement drôle, tellement un enfant, quoi, donc ce serait elle, et en plus elle a quand même une vie assez cool, une vie assez chouette. Alors déjà, il n'y a pas les parents. Bon, moi, j'aimais beaucoup les miens, personnellement. Mais elle peut faire plein de choses. Elle est curieuse. Elle voyage. Elle a une vie sans problème, je dirais. Donc ça fait assez rêver. Ouais.